Amen. Moko pene ya bien. Non, amen ayo ezo convaincre ngati. Est-ce que nakoyoka amen ya bien? Est-ce que nakoyoka amen ya bato balonga? Alléluia. Amen. Quand je te vois en train d'acclamer, ça me fait du bien. Parce que des fois, dans notre mémoire, ça vient des vieilles souvenirs. Quand on acclamait comme ça. Alléluia. Même les papiers, les mamies, la maison de retraite, ils étaient plus forts que nous. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, on peut sauter. Alléluia. Alléluia. Mabokongo anani. Mabokongo anani. Acclamez pour la gloire de Jésus. Acclamez. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-le, aujourd'hui c'est jour de la fête. Dis-le, aujourd'hui c'est jour de la fête. Parce qu'on est là pour célébrer. Dis-le, parce qu'on est là pour célébrer le ressuscité. Le ressuscité. Acclamons encore. Acclamons. Amen. Et sans plus tarder, on va inviter le prédicateur de ce soir, notre pasteur. Et quand il va passer devant encore, manifester la joie. Acclamons. Alléluia. Restez avec moi. Car ce soir, j'aimerais qu'on puisse encore adorer. J'aimerais qu'on puisse encore adorer Dieu. Il mérite la louange et l'adoration. Vous devez se rendre compte, quand nous prions ce soir ici, et Dieu m'a rappelé quelque chose. Il y a beaucoup de choses que j'apprenais avant d'arriver ici, avant de te connaître. Toutes ces choses-là, j'apprenais ces choses-là que pour la gloire de Dieu. Et ce que je voyais que ça ne doit pas servir pour la gloire de Dieu, je ne trouve pas dans ma vie, je ne trouve pas ça utile. Et dans ce lieu, nous sommes ici pour célébrer Jésus. Et j'aimerais que tu prends ce temps vraiment, en disant à Dieu, j'aimerais faire monter mon adoration auprès de l'Éternel. C'est comme si l'adoration que je suis en train de parler, c'est comme si à cet instant, quelqu'un a un parfum qu'il a amené auprès de son roi. Imaginez quel parfum qu'il doit amener auprès du roi, qui est le roi des rois. J'aimerais que tu fasses un acte d'amour en voyant toutes les bonnes choses que l'Éternel a réalisées dans ta vie, dans cette église, dans ta famille. La bonté de l'Éternel qui t'a envahi de janvier jusqu'à novembre. J'aimerais, quand tu fais cet acte-là, inspecter aussi combien tu as eu des risques lorsque tu as voyagé. Tu as eu des risques en voyageant, mais l'Éternel était avec toi. Quelqu'un a pris l'avion, il n'y avait pas eu crash d'avion, parce que Dieu était avec toi. Et quelqu'un a pris un pirogue ou un navire pour naviguer, une voiture pour voyager. Mais Dieu t'a protégé. Tes enfants étaient malades. Tu étais malade. Il y a même certaines maladies, tu te posais des questions. Est-ce que je dois arriver jusqu'aujourd'hui? Devant Dieu, il mérite la louange. Il démérite notre adoration. J'aimerais que tu prends, sentez ce parfum-là que tu as amené. Ce n'est pas un parfum visible, mais c'est ton adoration que tu dois faire monter auprès de l'Éternel. Parce que la Bible dit que tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, il y a des combats invisibles qui atteignent ta vie au milieu de la nuit. Pasteur n'est pas là. L'église n'est pas là. Tes frères n'est pas là. Mais l'Éternel est là pour te défendre. Et ces moments, l'adoration, c'est aussi la reconnaissance. J'ai vu des chefs de ce monde, des gens qui l'ont rendu riche, erré, rempli de voitures. Lorsqu'il voyait les chefs, il donnait un respect total à ces chefs-là. Mais ces chefs-là sont morts. Mais combien a plus forte raison celui qui vit à jamais? Élève le nom de l'Éternel. Élève ta voix en bénissant l'Éternel, ton Dieu. Élève ta voix en bénissant celui qui vit à jamais.
Je te loue, éternel, je te bénis, car toute la gloire et tout l'honneur revient à toi. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te glorifier, te rendre gloire. Te bénir, toi qui es le Dieu incomparable, le Dieu insondable, le Dieu qui nous fait du bien par ton amour ainsi que par ta volonté. Merci éternel, merci Adonai, merci éternel, toi qui nous as fait du bien, tu nous as aimé, protégé par ton amour ainsi que par ta volonté. Yebra abrata kazibre eme kazata zute erika mokobo sinte bere reba abate ke sinte bere obra kata hebre te kiyama. Nous t'élevons éternel notre Dieu. Tout l'honneur et toute la gloire revient à toi éternel. Tu mérites la louange et l'adoration. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Reba abrata kazita amakabazabra amakazite bre ebota. Nous sommes là éternel. Si ce n'est toi Père, qui encore qui mérite la louange? La Bible dit dans le ciel et sur la terre. Ora kabazite bre amata kazibra aba amate bre kaba. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Seigneur, Rabba tant de David, l'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force. L'honneur et la gloire, oh Seigneur, oh, merci Seigneur, oh, alléluia, alléluia, oh. Gana bele lanzambe nangai, gaina bele lanzambo ya mawao, gaina bele lanzambe nangai, kino ako ya nolanga. Bele lanzambe nama, na bele lanzambe na mawa, na bele lanzambe nanga, kino ako ya nolanga. Gana luka nanda kwa nadiye. Kaina luka nanda kwa naniye, papa nyoso na mwana na ye, yano lalo sambo nanga. Gana beta na porte niniye, gana luka esika niye, papa nyoso na bana na ye, yano lalo sambo nanga. Hora abata kazite ere kamasa. Tora abrakate kereke izbreta kazita amata karaka ebrete kebrata amati kere obra zete ireke voro amata kazabra ama ebrekete sita. La gloire à toi éternel, toute la gloire à toi éternel. Nous t'élevons toi qui es le pierre vivant, le ressuscité le troisième jour, nous te bénissons aux anzambe na bomoy. Aux anzambe oyazana bomoy, tu vis à jamais éternel. Ô éternel notre Dieu, nous te bénissons. Ô sois élevé au-dessus de tout nom, car nul n'est comme toi. Tokumission zambe na bomoy, tokumission zambe abongi na nkembo. Aba papa, elle soit élevé au-dessus de tout nom. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Tu nous fais du bien par ton amour ainsi que par ta volonté. Et que le ciel tremble lorsque nous te glorifions. Nous sommes là éternel pour élever le seul nom.
Nous sommes là pour élever celui qui est mort et ressuscité. Nous sommes là pour célébrer celui qui a vaincu la mort. Nous sommes là pour célébrer celui qui est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes là, celui qui est assis à la droite du Père. Nous sommes là pour élever Yehoshua Amashia. Nous sommes là, celui qui appelle en existence, oh, en existence ce qui n'existe pas. Béni soit éternel notre Dieu. Béni soit notre Dieu. Béni soit le rocher du siècle, le zlo de la vie éternelle, le chemin, la vérité, la rédemption, oh, la récompense des croyants. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Totomboli kombonayo, mon santo. Nous t'élevons, éternel, nous élevons ton nom, car tu mérites la louange et l'adoration. Si nous sommes là, c'est pour t'élever. Car à toi seul reçoit l'honneur, la gloire. Que nos ailes, nos lèvres célèbrent tes louanges. Nous sommes là pour te célébrer, te glorifier, toi qui es le Dieu qui vit à jamais. Ô éternel notre Dieu, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reka, obra, hibrikatasi, onda karab abrata. Merci. Kembozonge painayo. Tout l'honneur revient à toi. Nous sommes les sujets de la gloire de Dieu. Nous te célébrons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolo. Namite mato tatoli yozali nzambe. Maboko na likolo na loyembo ya basanto. Na banje bako yemba halelu. Saintete a ton nom. Saint et l'éternel. Dieu des armées. Le désarmé. Oh, tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient. À jamais, à jamais. Tu es saint. Yahweh bisoto kotombola. Kitina yo yangolo, na mitema to tatoli, yo zalinzambe. Maboko na likolo, na loyembo ya basantu. Na banje toko yemba, alleluia. Saintete a ton nom, saint, 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 et l'éternel. Dieu des armées, oh, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient. À jamais, tu es saint. Alléluia, merci, 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 merci. Nous te disons merci. Si tu es assis dans un trône de gloire, c'est pour ça que nous sommes là pour te louer, te rendre gloire, et que toute l'honneur et toute la gloire revient à toi.
que nous soyons rien devant ta face, que tu te glorifies à jamais. Car tu as vaincu là où les autres ont échoué, mais tu as vaincu. Merci Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Nous pouvons reprendre place. Là, tu acclames pas très fort. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Où sont les cris de joie? Où sont les milolos? Maman, on a vu maman va réussir. Des mamans ont fait des exploits à l'église. Mais milolo n'a bien eu kokanana makambo salité. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Moi aussi, je vois des papas vainqueurs. Je vois des papas victorieux. Mais vos acclamations ne me convainquent pas par rapport à l'Éternel. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit vous avez réussi? J'ai vu même des autres ont sorti des chemises. Des porte-matons sont utilisés. Cela veut dire que nous avons fait un travail. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez. Amen. Acclamez aussi pour les chants de l'Éternel. Acclamez, acclamez. Amen. Que Dieu vous fasse des grands chants de l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu de faibles commencements. Quand tu te mets en confiance avec lui, il te fera, il peut te rendre grand. Il peut changer de beaucoup de choses dans votre vie. Donc, servez-le avec crainte et tremblement et il vous bénira. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. J'ai dit à quelqu'un aussi, dans tes entrailles, comme tu as connu Dieu, sortira des grandes personnes. Amen. Tes enfants ne seront pas n'importe quoi, ni des voyous. Comme tu as connu Dieu, tes enfants seront des enfants de distinction. À travers tes enfants, des gens verront que tu as servi l'Éternel. À travers tes enfants, des gens verront que tu as aimé Dieu. Avec Dieu, il y a des signes qui ne trompent jamais. Si je vois l'héritage d'un prince, je vois quelqu'un qui est prince, qui est né dans la maison royale. La Bible me dit quelque chose. Lorsque Moïse était né chez Pharaon, il pouvait entrer n'importe comment. Il pouvait entrer n'importe où. Il pouvait faire n'importe comment parce qu'il était dans la palais royale. Et Dieu nous a appris le dimanche passé qu'il nous a aussi adoptés. Cela veut dire des princes et des princesses sont dans cet lieu. Cela veut dire des princes et des princesses dans cet lieu. Laisse-moi t'apprendre, dans la famille royale, même si tu ne règnes pas, la grâce royale va t'affecter partout là où tu iras. Parce que notre Sauveur est le Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, vous allez se rendre compte, l'heure est avancée. Mais ne vous en faites pas. Parce que si on vient dans cet endroit pour adorer notre roi, pour louer notre roi, si nous sommes ici, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour un Dieu. Alléluia. Et je parle aux princes et princesses. Des enfants qui partent à l'école, je vous encourage d'aller à l'école. Tant que tu n'as pas vu quelque chose, n'abandonne jamais l'école. Je dis ces choses pourquoi? 80% de tes collègues de classe te diront que l'école ne vaut à rien. Moi, je te dirais, l'école, c'est le chemin de l'élévation là où Dieu va t'amener vers de grandes choses. Ah, personne n'amène, on a besoin de mériter. C'est le chemin d'élévation là où Dieu va t'amener. Dieu va t'amener dans des grandes choses. Mais pour atteindre ces choses-là, tu as besoin d'un chemin. La bénédiction de l'Éternel, personne ne sait comment ça va venir, combien ça peut t'affecter. Mais cette bénédiction-là va arriver, bel et bien arriver et atteindre ta vie. Et nous, quand on quitte l'Afrique pour venir en Europe, des parents, chaque parent dit un mot. Si j'ai souffert, mon enfant ne souffrira jamais. Alléluia. Si j'ai eu des difficultés, mes enfants n'auront pas ces difficultés-là. Il y a même des parents qui font des sacrifices en disant, je vais mal vivre, mais mes enfants soient bien. Alléluia. Et maintenant, quand tu fais tout ça, si l'enfant ne t'honore pas, comment tu dois te sentir? Alléluia. Laisse-moi t'apprendre. Chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose, il aime avertir son peuple. Parce que l'avertissement prépare les peuples à ne pas vivre des choses qu'ils ont vaincues avant.
ou de ne pas commettre des choses qui n'est pas destinées à l'Éternel. Alléluia. L'avertissement nous aide lorsque nous allons monter, lorsque nous allons atteindre une certaine dimension, de ne pas échouer. Alléluia. Des parents sont là, que des parents peuvent me dire amen. Des parents peuvent me dire amen. Des parents, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Quel est ce parent qui doit accepter de prendre 2000 euros de donner à son enfant pour que l'enfant parte détruire sa vie? Alléluia. Aucun parent, même s'il veut faire plaisir à son enfant, il ne donnera pas quelque chose qui va amener son enfant à la destruction. Et lorsque nous donnons à nos enfants, on donne tout en mettant en sécurité. Il y a même certain âge, l'enfant ne peut pas acheter, c'est là que les parents qui achètent pour l'enfant. Parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de maîtriser l'argent. On ne veut pas exposer nos enfants à l'argent. Mais à un certain âge, l'enfant aura droit à l'argent, mais pas n'importe quel comment, pas n'importe comment. Cela doit être surveillé. Alléluia. Et celui qui gère mal l'élévation échoue. Parce que l'élévation peut amener aussi à la destruction. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, l'adoration approche vers cette personne-là rapidement pour obliger cette personne-là à se glorifier, à se faire voir. Non, faites attention. Lorsque vous montez, vous sentez que les gens commencent à tenter à t'adorer. Essayez toujours de faire retourner des gens vers ton Dieu. Et l'ange, lorsqu'il a apparu à Marie, venez annoncer une bonne nouvelle à Marie. Marie, lorsqu'il a vu l'aspect de l'ange, la Bible me dit Marie a failli adorer l'ange. Et l'ange n'a pas voulu échouer devant Marie. Il dit, non, Marie, toi tu ne peux pas m'adorer. Parce que toi et moi, nous faisons la même chose, nous adorons que l'Éternel. Et lorsque nous parlons de l'adoration, nous devons se rendre compte, l'une des chèques qui a mené des démons, qui a fait échouer des anges, c'était l'adoration. Dieu ne partage pas la gloire avec un autre. Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas être partagée. Pour mieux comprendre ça, nous allons lire dans Colossiens. Nous allons s'élever, lire dans Colossiens. Nous allons lire dans Colossiens. 1 Corinthiens, pardon. Nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, verset à 32. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 32. Glorifie-toi à travers cette parole. Lisez la parole au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 32. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Amen. La lecture que nous venons de lire, la Bible nous parle des choses simples, quotidiennes et normales. Quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvons, quoi que nous pouvons le faire, la Bible dit faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous buvez, vous mangez, ce sont des choses si simples. Mais faisons tout au moins pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous recommande en disant ne soyons pas scandale aux Grecs, aux Juifs, ni à l'Église. Ni à l'Église de Dieu. Vous savez quand la Bible précise ni à l'Église de Dieu, l'Église c'est un terme commun. Il peut y avoir aussi une église mais qui n'est pas de Dieu. Quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans la vie, vous aurez les responsabilités. Dans la vie, nous allons gérer des choses. Mais peu importe ce que nous allons faire, peu importe ce que nous pouvons faire, faisons tout pour la gloire de Dieu. Et imaginez, si on fait tout pour la gloire de Dieu, à qui sera la gloire? Alléluia. À Dieu seul sera la gloire.
Peu importe ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réaliser, et tout ce que nous pouvons faire, faisons cela pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et ne soyons pas un scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs. Les Juifs sont croyants, les Grecs sont païens, ni à l'Église de Dieu. Le scandale aujourd'hui, quand nous allons entrer en profondeur, vous allez comprendre qu'est-ce que le scandale. Faisons pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui veut se glorifier, quand il fait quelque chose, il attend la gloire en retour, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la Bible me dit, chaque fois Israël était en guerre, lorsqu'il gagnait, Israël obtenait la victoire. La Bible dit, disait toujours, l'armée de l'Éternel ou la nation de l'Éternel a eu la victoire au nom de l'Éternel. Alléluia. Et chaque fois que Israël était en combat, peu importe les ennemis, Israël aussi cherchait la victoire auprès de l'Éternel. Et lorsqu'il gagnait, la victoire n'appartenait pas à Israël, mais la victoire appartenait à l'Éternel. C'est pour cela que David a compris une chose. Devant Goliath, je ne viendrai pas avec d'autres noms, mais au nom de l'Éternel, mes ennemis, tes ennemis seront vaincus. Notre thème, c'est-il? Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous devez s'en rendre compte, nous exploitons la gloire de Dieu, nous aimons faire la gloire de Dieu, donner la gloire à l'Éternel. Mais la gloire, c'est comme si ce n'est pas en toutes choses. La gloire, c'est à un certain moment, on peut donner la gloire à l'Éternel. Mais à un certain moment, on ne donne plus gloire à l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, des Juifs, des Grecs sont scandalisés. Même l'Église sont scandalisées. Parce que la gloire n'appartient plus à Dieu, mais elle appartient à l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez aimer des miracles, c'est une bonne chose. Mais j'ai vu, la Bible m'apprend, Dieu a fait tellement de miracles à travers Moïse. Moïse lui-même désirait autre chose. Moïse ne voulait plus voir la gloire, ne voulait plus rester dans la gloire, bloqué dans la gloire. Et Moïse disait à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais voir ta personne. J'aimerais voir l'Éternel dans sa gloire. Peuple de Dieu, si quelqu'un est capable de prendre une personne qui est au bout de la village, celui qui garde des brebis, l'amener vers le royaume, vers la célébrité, combien à plus forte raison lui-même il est. Si cette personne-là pouvait marcher avec Moïse et amener Moïse à des exploits que aucun être humain n'a réalisé, combien lui-même il est. Alléluia. Moïse a vu l'Éternel agir parmi de 10 plaies. Non seulement des 10 plaies, mais Moïse a vu aussi l'Éternel séparer l'eau. Moïse aussi était capable avec l'Éternel, même s'il tape ici, s'il dit maintenant que la manne puisse tomber, la manne va tomber avec Moïse. Mais Moïse a compris une chose. Éternel, fais-moi voir la gloire. Et vous devez se rendre compte, si nous allons tout faire pour la gloire de Dieu, l'Église va être meilleure. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous êtes à l'église, nous prions, nous aimons Dieu. Mais à un moment donné, vous allez voir un enfant de Dieu, voir le pasteur comme un Dieu. Je vois, ça me fait un peu triste. Tout simplement parce que le pasteur a fait un miracle. Quelqu'un qui est malade était guéri, ou quelqu'un qui était paralysé a pris la vie. Le pasteur devient comme un Dieu. Et Dieu nous interpelle, parce que dans cette assemblée, Dieu va faire des grandes choses. Dieu va se démontrer en puissance. Dieu va se démontrer qu'il est grand. Mais si nous ne maîtrisons pas certaines choses, nous n'allons pas faire à la gloire de Dieu, mais ça va devenir notre gloire. Aujourd'hui, beaucoup de gens, si l'Éternel l'utilise, ils disent « Sokinga nazan église, wana t'église, wana koufi. » Peuple de Dieu, il nous dit en toutes choses, quoi que nous fassions, que nous mangeons, que nous buvions, faisons tout, faites tout pour la gloire de Dieu. Dis à ton prochain, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque Dieu va commencer à répandre les dons, des grâces, si vous ne maîtrisez pas certaines choses, l'élévation peut t'amener à la chute.
L'onction, la puissance ne t'appartient pas. Parce que Moïse a compris. Il a dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Si Dieu n'a pas permis que des gens puissent voir la tombe de Moïse, parce qu'il savait que des gens devaient venir là-bas chaque année pour adorer. Mais ce n'est pas Moïse qui agissait. Parce que la Bible dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Et je suis descendu. Dieu peut descendre à travers une personne. Dieu peut agir à travers une personne à se glorifier. La maison de l'Éternel, c'est comme une maison, une vente aux enchères. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Tout pasteur, tout serviteur de Dieu regarde combien d'huile j'ai vendu. Le plus grave aussi, il y a même des pasteurs qui commencent à faire des commerces. Oh non, j'y vais en Israël. Déjà pour acheter d'autres choses. Et quand je rentre comme ça, tous les pasteurs de Saint-Brieuc viennent me trouver. Non, je viens avec de nouvelles choses. Venez vous aussi, venez acheter. Des démarcheurs. Notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu au temple, il a trouvé des gens en train de vendre. Mais il a rappelé à l'église, ma maison sera une maison de prière. Si nous faisons tout pour la gloire de Dieu, comment expliquer qu'à l'église, il y a des vendeurs qui devient à l'église, qui vend des mouchoirs, des huiles olives. Moi-même, quelqu'un m'a parlé de l'huile olive, j'ai dit, achète ça, je vais faire, j'aime ça avec l'omelette. Oh non, il y a un pasteur qui vend de l'huile olive, j'achète ça, amène-moi, je vais faire ça avec l'omelette. Peuple de Dieu, quand on était, surtout des gens en Afrique, souffrent. Ils n'ont pas vu l'arbre, l'olivier, ils n'ont jamais vu l'olivier. Lorsqu'on dit l'huile olive, il prend ça, si ça vient de nous. Il ne connaît même pas l'arbre. Peuple de Dieu, Église de Dieu, faisons tout pour la gloire de Dieu. Et si nous allons faire, tout faire pour la gloire de Dieu, Dieu va se glorifier. Alléluia. La gloire sera totalement rendue à notre Dieu. Et nous ne devons pas oublier, si nous voulons avancer, je pense que chacune de nous souhaite que cette Église part en avant. Quelqu'un peut me dire Amen. Parce que si nous ne comprenons pas, il y a même des combats de grâce. Quand Dieu utilise une autre personne puissamment, l'autre regarde. Parce que comme il veut, lui, il ne regarde pas l'onction et la puissance et la grâce de Dieu. Il dit, il y a une peine à l'ingakete. N'a pas prophétie, nous n'avons pas de prophétie. Parce que Bangouya n'est pas un peuple. Peuple de Dieu. L'église de Dieu. Toute grâce est pour amener l'église de Dieu en progression. Si c'est pour la gloire de Dieu, n'ayez pas la jalousie sur quelqu'un qui a reçu la grâce. Parce que Dieu va vous donner. Moi, je vous dis toujours, et je sais ce que je dis est vrai. Tout le monde est utile dans cette assemblée. C'est juste une question de temps. L'heure viendra que Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Un instrument de valeur peut être gardé de jour et de jour. Mais le jour où vous aurez un roi chez vous, vous allez prendre ces assiettes-là pour poser ça aux tables. Mais lorsque vous n'utilisez pas ça, ne dites pas que cela n'est pas utile. Peut-être c'est pour servir un roi, pour servir un chef de l'État. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Si cette église, nous allons prendre conscience en disant, dans cette assemblée, nous voulons élever le nom de l'Éternel. Laisse-moi t'apprendre, beaucoup d'églises aujourd'hui ici-bas, ils sont choquants parce qu'ils ne glorifient plus l'Éternel lui-même. La gloire, c'est au nom de l'église. La gloire, c'est pour les pasteurs. Même les mamans pasteurs ont pris aussi leur gloire. Oh non, Botchanga peut m'appeler Nangaï. Il dit aussi des choses. Des gens ne veulent plus écouter le Saint-Esprit ou Dieu lui-même. Des gens font la place des choses à la place de Dieu lui-même. Donc ça dit, ils ne veulent plus attendre la direction de Dieu. Laisse-moi t'apprendre. Ce qui a aidé Moïse à accomplir la volonté de Dieu, il faisait chaque fois ce que l'Éternel lui disait. Et le jour où il a fait ce que l'Éternel lui a pas dit, Moïse était privé d'entrer dans cette terre des promesses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Une erreur devant l'Éternel va faire en sorte que nous perdions. Mais Dieu veut que nous soyons victorieux. Et que cette victoire sera pour la gloire de notre Éternel. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen. J'aimerais aider ceux qui sont en train d'écrire parce qu'on a pris beaucoup de temps au niveau d'adoration. Vous allez noter Colossiens chapitre 3,
verset 17. Vous allez méditer. Je ne sais pas si quelqu'un lit la Bible, je vais donner quand même. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu vas lire la Bible au nom de Jésus. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Allez méditer pour mieux comprendre la gloire de Dieu. L'Éternel, c'est un Dieu jaloux. Et vous pouvez s'amuser avec toute autre chose, mais pas avec la gloire. Parce que la gloire appartient totalement à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Hein? Amen. 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 Le temps avance vite.